Bonjour et bienvenue sur Test Cars. Aujourd'hui à l'essai, le nouveau Range Rover Sport. Comme vous avez pu le constater, ce nouveau Range Rover Sport reste une référence dans la catégorie des franchisseurs. Cette version supercharge est un 5 litres qui développe 510 chevaux et qui consomme environ 16 litres au 100 km. Cette nouvelle mouture du Sport est plus légère et donc consomme un petit peu moins que l'ancienne génération. Interface tactile avec le menu principal, une assistance pour se garer automatiquement, les radars de recul, à noter qu'il y a également les radars avant, les différentes caméras d'intersection ou encore à l'aplomb des rétroviseurs. À droite, vous avez des paramètres donc audio-vidéo, la radio, ma musique, donc vous pouvez connecter votre téléphone en Bluetooth, ou encore, par exemple, la télévision, grâce à la TNT, disponible uniquement à l'arrêt. Vision entre 1971 et 1974. En dessous de l'audio et vidéo, vous avez la navigation, et enfin, phone, donc le téléphone en Bluetooth. En plus d'être ventilé et chauffant, les sièges avant comme la banquette arrière sont extrêmement confortables. Le coffre, à ouverture électrique, avec une sécurité enfant, dispose de 784 litres de volume de chargement. Et une fois que la banquette est rabattue, ce volume passe à 1. Ce nouveau Range Rover Sport dispose de pas mal d'atouts, notamment un équipement pléthorique qui ressemble beaucoup à son grand frère, un comportement routier assez impressionnant avec un châssis qui tient très bien la route, des capacités de franchissement comme vous avez vu il y a quelques minutes, incroyables, et c'est d'ailleurs toute la philosophie de Land Rover. Par contre, il a deux défauts disons majeurs.
outre un freinage où il faut apprendre à anticiper, puisque la bête fait quand même plus de 2 tonnes, malgré des étriers de frein Brembo,